C'est un institut médical en plein centre-ville, dédié exclusivement au suivi de femmes qui doivent envisager une IVG médicamenteuse possible jusqu'à 7 semaines de grossesse. Je vous présente la salle des infirmières pour les prélèvements, donc prise de sang pour le taux d'hormones de, de grossesse. Ici, on pourra les retrouver en groupe de parole avec une psychologue ou la conseillère familiale. Et surtout pour que cet événement, quand même traumatique pour toutes les dames, euh, puisse passer à autre chose et cicatriser tout cela. Est-ce que vous avez déjà des patientes C'est impressionnant parce qu'on est ouvert depuis mercredi dernier, nous sommes mercredi, et donc j'ai déjà vu 25 patientes. Ce jeune couple vient d'arriver pour la première consultation. Il ne voulait pas tarder et souhaitait être reçu ensemble. J'étais sur Doctolib. J'ai regardé sur euh, Beauvais, donc il n'y avait pas grand-chose. Sur euh, Amiens, sur Paris également, pour essayer de trouver un rendez-vous un mercredi le plus rapidement possible. Et donc j'ai trouvé sur Rouen un rendez-vous euh, un mercredi assez rapidement. Quand on veut euh, euh, faire un IVG, euh, on a envie que ça se passe le plus rapidement possible. C'est une épreuve qui n'est pas facile. Et, et pour le coup, oui, on a envie que que les délais soient rapides. Ce sont des professionnels de santé libéraux qui ont eu la volonté d'ouvrir ce centre où les rendez-vous sont coordonnés et l'accueil prévenant. Prise en charge rapide, c'est une prise en charge uniquement du premier rendez-vous rapide. Il ne s'agit surtout pas de faire des IVG rapides. Il faut un temps nécessaire. De rencontres, de discussions, d'évaluation, Et puis, coordonner, parce que des confrères euh, radiologues du secteur, les biologistes, euh, on est tous main dans la main, on se connaît très, très bien. Et en Normandie, le délai est de 19 jours entre la décision d'une femme et l'interruption volontaire de grossesse. C'est trop long. En 2020, 8 527 IVG ont été pratiqués dans la région et 222 000 en France.